Et toi, ta gueule. Bah. Ouais, Philou, tu m'entends, là? Ouais, je suis juste derrière toi, là. Je me reposais un peu, on y va quand tu veux. Eh, hey, Philou, t'as vu la petite là-bas qui faisait du stop avec son petit rouge de pute, là? Putain, j'aurais bien mis le pilote automatique pour qu'elle me suive. Non, on n'est pas tous comme ça. Ben, remettez votre fuite, alors. Ah non, mais ça, c'est pour pas que ça me brûle. Parce que quand je passe les vitesses, ça me frotte les couilles. C'est vraiment de la musique de PD, ça. Non, mais on sait très bien que ça vous attire, les camionneurs. Pourquoi? Parce qu'on est viré. Un garçon féminin, et fille en masculin, et... Oh, putain! Filou! Tu fais attention à les gitans qui traversent la route, là! Je le vois très bien dans vos yeux, là. Si vous voulez, il a l'air de la Ferté Bernard, à deux bords, en fait. C'était quoi, ça? Ça, c'est rien, ça doit être des lapins. Vous pouvez pas regarder devant vous, s'il vous plaît? Et tu vas où, comme ça? C'est où, ça? Bon, bah, désolé, hein. J'espère que vous retrouverez votre gamin. Sinon, derrière, il y a toujours une couchette. C'est dingue, ça, quand même. Hein. Mes parents, ils laissent des gosses comme ça sur le bord de la route, sous vêtements inconscients. Hein. Je te dis un truc, mon bonhomme. Hein. Tu parles jamais aux étrangers, d'accord? Vous me parlez pas? Non. Pourquoi? Je parle pas aux étrangers. Bah, je suis français. Ah bon? Pourtant, vous êtes... Noir, c'est noir! J'ai envie de faire pipi, monsieur. Oh, t'es chiant, ouais. Bon, bah, arrête pipi. Bon, Filou, on fait un arrêt pipi, là. Donc, sur les aires d'autoroute, tu verrouilles les portes. On fait gaffe aux bougnoules et aux blackos. Dédé, on va instaurer des règles pour la CIVI, OK? Bon, bah, je vous dépose. Ah ouais? Comme ça, le blackos, il pourrait voler des camions. Pas le mien, hein. Allez, installe-toi, mets ta... Qu'est-ce que vous faites là, vous? Bah, c'était ouvert, alors je me suis permis d'entrer. Je me suis dit que vous pourriez me déposer. Ah bon? Ok. Super. En plus, ça tombe bien, j'ai acheté ces Indochine. Oh, génial! J'adore Indochine! Oh la vache, Filou, j'ai failli prendre une pédale en stop. J'aurais dû me douter, il avait un t-shirt moulex et des yeux qui puent la bite. Ça bouge-toi les oreilles, franchement. C'est quand même dingue, hein. On les repère pas, ces espèces de... Non, mais j'ai paumé tous mes calendriers de moto, là. Je touche pas les trucs, là. Tu t'appelles comment, déjà? Benjamin. Dis donc, Benjamin, t'aurais pas une mère avec un petit rouge de pute qui te cherche? Si, je veux voir ma maman. Oh, là, allez, demi-tour. Cool! Vous allez pouvoir me déposer. Qu'est-ce que c'est, quoi, ça? Je vais avoir. C'est la pédale. Hé, c'est maintenant, hein. Oh, merci beaucoup, hein. Comment vous remercier? Oh, bah, il y a bien une heure à 2 km. Ouais, ouais, t'auras passé pour des beaufs. Putain, j'ai acheté un CD tout à l'heure, tu me dis ce que t'en penses? Allez. Mais 3 nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle. Oh ouais, c'est pas mal. Et 3 nuits par semaine, et bon Dieu qu'elle est belle. Ah, je l'avais oublié, lui.